Ah, tu vois les Espagnols, ça me plaît. Tu vois les Italiens, tu vois les... Ah, tu vois les... C'est bien, tu vois encore plus. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, nous lisons le verset 9. Jean, chapitre 10, le verset 9. La Bible nous dit ceci. Je suis la porte. C'est Jésus-Christ qui parle. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira. Il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, nous dit qu'il est la porte. Je suis la porte. Donc Jésus est la porte. Nous devons savoir que Jésus-Christ est la porte par laquelle nous passons de la mort à la vie. Il nous fait sortir de la mort pour nous faire entrer dans la vie. Il nous fait sortir des ténèbres pour nous amener à la lumière, de la honte à la joie, de l'échec à la victoire, des problèmes à la paix. Donc, il est la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Vous comprenez? Donc si tu rentres par lui, tu seras sauvé. Jésus-Christ est la porte. Il a dit quelque part, je suis le chemin, la vie et la vérité. Vous comprenez? Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Toujours ici dans le livre des Jean. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Nous devons dépasser la porte qui est la nouvelle naissance. Cela veut dire que non, si tu viens en Christ, tu dois commencer par la nouvelle naissance, naître de nouveau, devenir une nouvelle créature. Et nous devons dépasser la porte qui est la nouvelle naissance, la porte qui est d'accepter Jésus, la porte qui est de devenir chrétien. Nous devons dépasser cette étape de la porte et entrer dans la vie. La vie qui est en Christ. Nous devons commencer à vivre à l'intérieur. Et reconnaître que non, tu fais partie du corps de Christ. Que tu es membre du corps de Christ. Que tu vis en Christ. Que tu te sépares de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu te sépares de toutes les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Tu dois venir à Christ. Tu dois l'accepter et dépasser cette étape-là. Entrer dans la vie chrétienne. Vivre en Christ, à l'intérieur du royaume. À l'intérieur, il y a l'abondance, il y a la victoire, il y a la gloire. De vivre en Christ. Est-ce que vous comprenez? Il a dit dans Jean, chapitre 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Là, quand il faisait sa prière au Père, il a dit, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il a aussi dit dans le livre de Jean, chapitre 10, là où nous lisons verset 20, dans le verset 9, que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Vous comprenez? En Christ, nous avons l'accès au bonheur du Père. En Christ, nous avons l'accès à la gloire du Père. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous comprenez? La vie qu'il donne, c'est la vie abondante des royaumes. Dans les royaumes, il y a tout ce que tu désires, tout ce que tu peux en avoir besoin. Tu trouveras ça en Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Jean chapitre 14, verset 6. Et dans chapitre 10, verset 9, ce qu'on vient de lire, « Je suis la porte. » Tu ne dois plus chercher à vaincre le monde, mais tu dois reconnaître que tu as déjà vaincu le monde en Christ. Tu dois reconnaître que non, tu es en Christ et tu vis au-dessus des problèmes, que tous les problèmes doivent être sous tes pieds, car il a mis l'ennemi, le diable sous nos pieds. Toutes les œuvres des ténèbres doivent être sous tes pieds. Toutes les attaques de l'ennemi doivent être sans effet de ta vie, car tu es en Christ. Jean chapitre 16, verset 33. Il a dit, Jean chapitre 16, verset 33, il a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ce que nous avons à faire, c'est de prendre seulement courage et de marcher dans la vie chrétienne. De marcher en tant que les chrétiens. En tant que les citoyens célestes. Les gens qui vivent en Christ. Malgré nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes dans ce monde juste pour représenter notre royaume. Pour transmettre la vérité de notre maître Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour transmettre la vérité. Que notre Seigneur est notre maître et Seigneur. C'est lui le créateur de ciel et de la terre, vous comprenez? Tout ce qui est né de Dieu, la Bible dit triomphe du monde. Dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous comprenez? Et qui est celui qui a triomphé du monde? C'est toi qui es en Christ. Toujours dans 1 Jean chapitre 5, verset 5. Prenez courage, je vais vaincre le monde. N'est pas venu sur la terre pour commencer une religion. Il n'était pas venu sur la terre pour commencer une religion. Mais il était venu pour nous donner la vie. Il était venu pour nous donner la vie. La vie que Adam et Ève avaient perdue dans le jardin. La vie de triomphe, la vie de victoire. La vie où l'ennemi ne peut rien contre. La vie où nous sommes au-dessus de tous les systèmes de ce monde. Vous comprenez? Comme Dieu a toujours voulu diriger la terre au travers d'une famille. C'est pour ça que Christ était venu pour bâtir ce qu'on appelle une église. Une église, c'est une famille. Une famille des enfants de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'église. Des personnes que Dieu a formées, une famille mise à part pour lui, c'est ça l'église. C'est ça le corps de Christ. Ce n'est pas l'église locale que vous réunissez dans vos bâtiments, ce n'est pas ça. Nous devons nous faire partie des corps du Christ, de l'église, du maître lui-même. Et pour être membre de cette église glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ta ton intimité avec le maître. C'est ton obéissance à sa parole. C'est de s'attacher à sa parole et de faire sa volonté. Faire ce que le maître veut que tu puisses faire. C'est ça, être membre du corps de Christ. Membre du corps de Christ, pour être un citoyen céleste, faire partie de l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas faire la guerre entre vous, les chrétiens. Ce n'est pas dire que nous sommes plus que les autres, non. Ou moi je connais mieux que les autres, moi je suis mieux que les autres, que Dieu m'a béni, ceci, cela, non, ce n'est pas ça. Les bénédictions, la Bible déclare que vont suivre les enfants de Dieu, partout où ils seront. Un enfant de Dieu ne cherche pas les bénédictions, les bénédictions doivent les suivre. Un citoyen céleste plutôt ne cherche pas les bénédictions, un citoyen céleste cherche la volonté du Père. Est-ce que vous comprenez? Cherche à faire ce que les maîtres faisaient. Chasser les démons, détruire les hommes des ténèbres. C'est ça un citoyen céleste. C'est ça celui qui vit en Christ. Devons vivre en Christ. Nous sommes là pour diriger la terre. Pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu a mis en nous son esprit. Pour nous permettre d'être en contact avec son Créateur, avec nous plutôt, avec lui. Il a mis en nous son esprit pour que nous puissions être en communion avec lui, nuit et jour.
Est-ce que vous comprenez? Et pour régner sur cette planète, il nous a donné ses corps. Et nous devons bien entretenir. Nous devons veiller à ce que notre homme intérieur puisse être nourri de la parole de Dieu, par les jeûnes et les prières. C'est là que nos dieux nous parlent. C'est là que nos dieux nous communiquent ce qu'il faut faire. Tu dois savoir que tu fais partie de cette famille royale. Car elle a dit que nous sommes des sacerdotes royaux. Tu dois fonctionner en tant que citoyen céleste. Et le Saint-Esprit est là pour t'enseigner, pour t'aider à marcher dans cette vie chrétienne. En Christ, tu fais partie du royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle le royaume de lumière. Où Christ lui-même est le flambeau. Vous comprenez? Que Dieu te bénisse. Notre Seigneur Jésus-Christ est la porte. Si quelqu'un vient par lui, il sera sauvé. Que Dieu te bénisse.